Kulanda paninya lah itu ni dah. Alubani juta lara falina musagi tu kwa sala na mbuka ninga kabula ba eglise ba biloko bon hein le bi fali tout d'abord bon on a sepeli na ba don o ya pesi donc on a pesi sika sali ba mbote belé donc ya umela to le lay fort. Il y a aussi des familles démunies. Aujourd'hui, on a le programme d'aller distribuer dans les familles. Parce qu'on n'a pas de rassemblement dans nos mosquées, ni dans les centres. Nous serons obligés, avec l'aide de l'État congolais, d'aller déposer des aides dans les familles. Ou ils peuvent venir ici tout en respectant la règle de l'administration entre les musulmans. C'est un temps qui est vraiment venir à l'air, vraiment propice pour que les gens puissent en bénéficier. Nous remercions la Fondation Fali Ipupa de ce don-là. C'est venu à un moment propice. Demain, nous allons commencer notre mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, nous allons faire les Tarawih. Demain, nous allons commencer le mois de Ramadan. Donc ce don est vraiment le bienvenu pour les familles démunies de notre communauté. Donc nous les remercions de plus qu'ils puissent continuer avec ces actions, surtout à travers la communauté islamique en République démocratique du Congo pour enfin nous aider à aider les familles pauvres de notre communauté. C'est un geste que nous n'allons jamais oublier. Au moment où nous entrons au mois de Ramadan, Fali Ipupa a songé à notre communauté. Nous ne pouvons que lui remercier vraiment, que Dieu lui bénisse et bénisse ses actions, et bénisse sa fondation et bénisse ses actions futures. Non, les alikas à la continuité à opération Tolansaki et dans le nôtre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, nous avons accompagné Ibiso depuis Bandaki, Tsindi, l'autre comme une étape de la communauté musulmane. Donc, tu vois que le côté de Bangou, qui est Oyo, tu bombes là qui Bangou, pour Bangou, même quand au Kaboula, dans ma famille, Oyo Baza, ma musulmane, Oyo Bazali, dans des difficultés. Nous sommes très contents de venir faire ces gestes à la veille du Ramadan. Je sais que ça va servir aux familles qui n'en ont pas, comme on a fait avec l'autre fois avec les catholiques et les autres. Aujourd'hui, nous sommes venus chez les musulmans. C'est aussi une communauté qui regorge une grande partie de la population. Nous sommes vraiment contents de les faire.